vie chrétienne, mutali bato liboso, va pesanga benza, bato liboso. Bateau na yo kara trop ba mélodie parce que moi je suis quelqu'un, je suis un amoureux y a ba belle mélodie, y a ba texte. Il bossa en découvrant ça, sœur Moro Henriette. Donc Anna, donc sœur Henriette fait la foi. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Vraiment, le Seigneur nous a conduits à Kinshasa. Et nous sommes venus voir la sœur Henriette. Et curieusement, elle qui est toujours effacée, comme vous le connaissez. Mais le Seigneur a mis à cœur d'accepter qu'on fasse une petite vidéo et quelques photos. Et donc pour nous, c'est avec beaucoup d'émotion même. Et c'est vraiment un privilège de la voir. C'est une sœur qui nous a marqué, nous tous, et qui, jusqu'à aujourd'hui, ses chansons continuent de nous marquer. Vraiment, nous l'aimons beaucoup. Et ses expériences, c'est vraiment quelque chose de profond. En tout cas, quand vous écoutez sœur Henriette, vous dites vous-même, André, je ne suis pas encore chrétien. Parce qu'il y a tellement de la manière dont elle traite avec le Seigneur, c'est vraiment bénissant. Nous sommes venus avec la sœur Rachel Congo du Cameroun. Et aussi le frère Osborne qui est avec nous. Et vraiment, c'est une bénédiction. Shalom. Non, mais quand le frère Osborne me dit que vous avez prié pour un Géco, c'est ça? Ouais. Je dis, mais... Racontez un peu l'expérience. Bon, c'était pas vraiment un Géco. Les lézards, là, qui sont comme des petits serpents, qui brillent. Ok, autour aussi. Non, mais je vous jetez. D'autres qui sont comme des serpents, là, c'est un lézard. Ils sont un peu gros. Comme un lézard. Avec une peau de serpent. Ah, ouais. Alors, dans notre maison, dans la cuisine, je voyais toujours, il y avait beaucoup des oiseaux, des choses qui venaient. Et je remarquais chaque fois dans la cuisine, je rencontrais ces lézards. Et quand ils les voyaient, ils s'arrêtaient. Moi, j'avais l'habitude de lui dire, non, tu es chez ta maîtresse, sois calme, je ne te ferai pas du mal. Il vit en paix. Okay. Alors, il allait, il s'est caché quelque part, je ne sais pas où. Et chaque matin, je le voyais là. Alors, c'était toujours comme ça, on s'est rencontrés. Et il était un peu habitué. Et un jour, je suis allé nettoyer maintenant le réchaud pour préparer le matin. Je nettoie, je le fais sortir. Parce qu'en dessous du réchaud, j'avais mis une planche en bois pour éviter le contact avec la table de fer qu'on avait là. Alors, je l'ai fait sortir de cette planche-là. J'ai dit, ah bon, c'est donc ici que tu te caches toujours pour avoir un peu de chaleur du réchaud. J'ai ri, il est sorti. Maintenant, je dis, ne crains pas, je ne te ferai pas du mal. Alors, j'ai remis le réchaud tout doucement. Pendant que moi, je remettais le réchaud, lui cherchait à retourner. Je l'ai écrasé. J'ai écrasé le lézard. Ah, le lézard. J'ai senti juste ce crac. J'ai dit, non, Seigneur. Je ne pense pas que je l'ai écrasé. Je ne pense pas que je l'ai écrasé. Alors j'ai enlevé les réchauds tout doucement. Je regarde, il était écrasé. La langue était sortie de côté. J'ai dit, Seigneur,
Je ne voulais pas écraser ces lézards, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, alors, il y avait mon fils, là, Eli, qui était là. J'ai dit, Eli, t'as la nini, mon lézard ici, je l'ai écrasé. Il dit, et maintenant, Eli aime beaucoup blaguer. Il dit, ah, maman, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais prier pour lui. Ah, je vais prier pour lui, il va ressusciter. Et lui dit, ah, maman, aujourd'hui, moi, je ne sors pas. Ne fais pas de plate avec ça. Je vais prier pour lui. J'ai pris mon doigt, je lui ai imposé sur la tête. J'ai dit, Seigneur, je ne voulais pas écraser ces lézards. Fais qu'il ressuscite. Au nom de Jésus, paf. Je l'ai pris par la queue. Il était mort, complètement. Je l'ai posé dehors. Et lui a dit, maman, moi, aujourd'hui, je te dis, je ne sors pas. Je dois voir cette résurrection. J'ai dit, ne blague pas avec ces choses. Il était parti s'asseoir. C'était vers 8h, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à préparer. La voix me parlait. Ah, ça profite. J'ai dit à la voix, là, laisse-moi tranquille, il va ressusciter, je crois. Alors, et lui, de temps en temps, il allait regarder. Il dit, maman, viens voir, les fourmis commencent à les traverser dans la bouche, tout ça. Oui. Il était vraiment complètement mort, il y avait plein de fourmis sur lui. J'ai dit, Élie, écoute, ne me dérange pas comme ça. J'ai la foi qui va ressusciter. Ne commence pas à me montrer les symptômes là. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai préparé. Imagine-toi que c'était le matin. J'ai pris le temps de préparer la nourriture, de faire tout. On a mangé, on a oublié les lézards. Vers 16h, 17h, je suis allé m'asseoir à la porte parce qu'il y avait des marches à la porte de la cuisine. Et lui est venu s'asseoir à côté de moi. C'était un peu comme le diable qui venait me mettre la crédit. Bien sûr. Il me dit, maman, je suis là, je regarde. S'il va résister, j'ai dit, on est resté devant moi et lui. Vous deux. On voit les lézards s'élever. Amen. Depuis 8h. Amen. Le lézard s'est levé. Amen. On a failli. On allait mourir, ma soeur. Oh, my. On allait mourir. Le lézard s'est levé. C'est mon fils, maintenant, lui, qui poussait plus de cris que moi. Amen. Il est devenu croyant. Même moi, je n'ai pas pu supporter, ma soeur. Oh là là. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas encore prête de voir ça. Je ne suis pas encore prête. Nous sommes entrés à la maison. C'est comme si on l'avait collé au mur. On a collé lui au mur. Seigneur, je sais. Le lézard s'est levé. Il a levé sa queue. J'ai dit, Seigneur, j'ai refusé de regarder. J'ai vu juste ça. J'ai dit, je ne suis pas encore prête, s'il te plaît. Au-delà de ma vie, je ne suis pas encore prête. Oh. Et un grand lézard est venu les prendre. Ils sont partis dans les... Depuis 8 heures. Frère, la résurrection. Ah. Ah. La sœur Henriette a prié. Je dis, maman, pourquoi tu disais ça? J'ai dit, mais il est ressuscité, tu as vu comment il s'est levé. Soyez, vous avez une foi terrible. Ah, mon frère, c'est pas facile la vie chrétienne. C'est pas facile. Elle est là. La première chanson, c'était Le chemin du ciel. La nuit, je dors. J'ai fait un songe, on me dit. Henriette, tes enfants sont là parce que c'est une longue histoire, je ne peux pas tout raconter. Une très longue histoire. Avant de venir, le papa de mes enfants m'avait interdit de... Parce que je voulais mettre ma vie en ordre. Et lui m'a dit, si tu arrivais de retourner à Kinshasa, il m'a dit, si tu arrivais de le faire, n'amène aucun de mes enfants. Je suis allée pleurer devant le Seigneur. Le Seigneur touche son cœur pour qu'il me laisse. Ils sont trop petits. L'aîné avait 5 ans, le deuxième 4 ans, et le tout petit, là, 9 mois. J'ai dit, si je ne saurais pas les laisser. J'ai pleuré et le Seigneur me dit, fais comme il a dit, tu dois être soumise, ce sont ses enfants. Tu dis, fais comme il a dit. Alors j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, parle-moi par la Bible. J'ai écouté même la petite voix qui m'a toujours parlé. J'ai dit, parle-moi par la Bible. J'ouvre la Bible, je mets mon doigt comme ça. C'est lui qui ne peut pas laisser ses biens, ses richesses, son père, sa mère, ses enfants pour moi. Il n'est pas digne de moi. À l'instant même. Waouh. C'est là que vous avez vu la chanson de « N'est pas digne de moi ». Ah, alors j'ai mouillé la Bible, j'ai pleuré le Seigneur. Bon, moi, je suis l'unique enfant de mes parents. Une longue histoire, je vous dis. Quand je dis, je n'ai pas de frère, je connais personne. Mes enfants, je les laisse comme ça. Seigneur, si c'est toi, alors enlève cet instinct maternel de moi. Sinon, je vais mourir. Enlève ça. Et le Seigneur l'a fait, ma soeur. Ça, c'est un miracle que je ne pourrai jamais expliquer.
Je commençais à regarder mes enfants, vous auriez de pleurer. Je n'avais aucun souci. Aucun souci, je n'ai pas. Est-ce que je suis plus une mère ou comment? Il y avait plus rien jusqu'à ce que je laissais quitter sur entrée. Alors, on s'est entendu avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, lève cette astère. Moi aussi, je vais t'obéir. Et le Seigneur l'a fait. Je l'ai obéi, j'ai laissé les enfants. Et chaque jour, j'ai prié pour eux. Même les grands-mères ne comprenaient pas. Mais comment toi, tu peux laisser les petits-enfants? J'ai dit, le Seigneur prend soin. Je priais pour eux. Mais ces jours-là, curieusement, ma première chanson, Le chemin du ciel, j'ai fait un songe, je me dis, ça, Henri, reviens. Les enfants sont venus. Je sursaute dans le songe. J'étais couché, je sursaute. Je cours vite de haut. Sur mes enfants, j'étais heureuse. On me présente un gros carton. Hein. Les gens de carton, on met le congélateur. Un gros carton. Ils sont là. Je dis, oh, les enfants dans le carton. Comment ça? Ils ont dit, va voir tes enfants. Je suis allé voir, mon Dieu. Oh Seigneur. Tu vois les enfants de Chopi, là, des enfants affamés. Ils n'avaient que la peau sur les os. Ils sont maigres. Maigres. Alors j'ai commencé à pleurer dans les songes. Je les appelais Ruth, Isaac. Ils ne parvenaient même pas à ouvrir l'œil pour me regarder tellement qu'ils étaient déshydratés. J'ai dit Isaac, Ruth. J'ai dit, Seigneur, non, je ne te connais pas comme ça. Tu es un Dieu fidèle. On ne s'est pas entendu comme ça. Moi, j'avais dit que je vais t'obéir et toi, tu gardes mes enfants. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je pleurais comme ça dans les songes. Je me réveille, j'avais là. La journée était foutue. Tous les soucis que je n'avais plus sont aïe. Alors, toute la journée, je faisais que pleurer. Je ne voulais pas que mes grands-mères me voient parce qu'eux, ils avaient ces soucis-là plus que moi. C'est moi qui les calmais un peu. Alors, j'avais les yeux gonflés. J'ai pleuré toute la journée. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais tous ces temps ici où je n'avais pas de soucis, qu'est-ce qui s'était passé? Je pleurais. Alors, pendant que je nettoyais la maison, à un moment donné, je n'ai pas pu. J'ai tellement pleuré que je suis allé me mettre dans la salle à manger. Je me suis assis. Je donnais un coup de poing comme une révolte. Hein, je me suis révolté un peu. Un coup de poing sur la table pour dire si c'est ça le chemin du ciel. Ah, Seigneur. J'ai dit si c'est ça le chemin du ciel. Je ne sais pas si je voulais dire dans la suite. Si c'est ça le chemin du ciel. Ah, c'est comme si une notion vient du ciel, ça me revêt. Ma soeur, du coup. Où je ne sais pas comment expliquer. J'ai cherché un stylo. Et moi qui pleurais avec des larmes, je cherche mon cahier et un stylo. Je commence à écrire des chants. Wow. C'est comme si on était en train de méditer ça. J'écris le chemin du ciel. J'écris en train de danser. J'écris, je chante. Je dis, oh, quelle belle chanson. J'ai écrit. À un moment donné, paf, l'inspiration. Cette histoire-là m'a quitté. Ça va tout terminer. J'étais là, qu'est-ce qui m'arrive? Je voulais continuer à écrire. Je n'avais plus de soucis. Le Seigneur a ôté ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais continuer à écrire. Je n'avais plus d'inspiration. Ça s'est arrêté quelque part. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Est-ce que toutes vos chansons sont le fruit des expériences comme ça de vous-même? Oui. Ah, ok. Oui. C'est pourquoi je comprends quand les gens disent c'est inspiré. J'ai dit oui, même moi-même, je crois que c'est inspiré. Ah, ok. Parce qu'il m'arrive de me dire, c'est pas moi qui ai composé ça. Mm-hmm. Brise ton amour. Tout ça, ton amour. Tout cela, c'est votre vie et les expériences. Terrible. Waouh. Alors, j'ai dit, je voulais continuer. Puis j'entends une voix qui me dit, il y a une chanson païenne. C'est pourquoi moi, j'ai peur de chanter n'importe quoi. J'ai été tenté plusieurs fois moi-même par le diable à recevoir des inspirations diaboliques. Alors, j'ai compris. Frère me dit toujours la vérité. Nous ne sommes que des vases. Tu dois faire attention. La voix, la première chanson, le diable vient et me dit, tu peux prendre un stoff de cette chanson-là italienne. Et tu as vu, du coup, j'ai jeté le stylo. J'ai dit, hé, c'est quoi ça? Et j'ai carrément arrêté. Les soucis sont partis. Et c'était fini. Et c'est comme ça que les chansons passaient. Je devais attendre toujours. Moi, je n'ai jamais pris mon stylo comme ça. Comment ça imaginer, non. Tu dois attendre. D'abord, ça commence par l'onction.
L'onction là te réveille, tu sais que ça c'est l'onction de la musique. Tu connais ça. Mm-hmm. Et puis quand ça vient, un petit murmure commence, une chanson. C'est comme si tu as connu ça il y a longtemps, non. Cette chanson-là. Mm-hmm. Tu commences à murmurer ça et j'enregistre. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, tu sens que ça doit venir. Mm-hmm. Je vais raconter juste des expériences. Comme ton amour m'est content. J'ai fait 2 semaines avec une forte onction. Non. Une forte onction, c'est pas possible. À cette époque-là, je revenais de l'Europe, je n'avais plus d'argent. J'ai trouvé mes grand-mères, tout était délabré, les radiocassettes abîmées. Alors, je devais tout aller chez les locataires, emprunter leurs radiocassettes pour enregistrer. J'allais chez notre locataire, s'il vous plaît, donnez-moi votre radiocassette, je vais enregistrer, j'ai une minute. Il me donne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je prends la radiocassette, je le place là. Je ne dois pas réfléchir, ma soeur. Mm-hmm. Si j'ose faire ça à la tête, c'est comme si ça allait craquer. Je reste calme au possible. Donc, sous cette onction-là, je reste tranquille. Comme quelqu'un qui n'est pas intelligent, je reste là jusqu'à ce que ça va sortir. J'ai fait 2 semaines. Je prends la radio, je place là. Rien. Je vais la mettre. Je prends la radio, je place. Rien. Je vais remettre. Un jour, je suis allé prendre la radio. Le petit frère de notre locataire lui-même s'est caché. Il a envoyé son petit frère. Il dit à maman, la façon dont il est en train d'appuyer les touches, ça détruit. La radio. Ah, ça m'a gêné. J'ai dit vraiment, pardonnez-moi. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je prendrai. Je suis allé avec lui, Seigneur, tu as écouté. C'est la dernière fois pour moi, je ne vais plus prendre cette radio. Est-ce que mon malamour au caca, qu'on en finisse? Je suis resté calme là. Tu sens l'onction là. Rien. Ok. Je suis allé remettre, j'ai dit, Seigneur, si l'inspiration vient et que je perde ça, ce sera quand même un problème. Je suis allé remettre là. Je suis allé remettre là. Et le dimanche, quand nous sommes venus à l'église, après les cultes, là, c'était. Donc, je sais, la sommité de l'onction, c'était trop fort. J'ai dit, Seigneur, j'ai déjà promis que je ne prendrai plus cette radio. Je suis obligé de le faire. Je suis allé accorder au Nalo. C'est la dernière fois. En tout cas, aujourd'hui, c'est la dernière fois. Je ne prendrai plus votre radio. J'ai amené, c'était un après-midi. J'ai placé la radio seul à la mer. C'est resté calme. J'y attends. Rien. Ça ne venait toujours pas. Je vais remettre la radio de tout, j'ai débranché. J'allais maintenant pour aller remettre, j'entends ma voix qui me dit, va brancher. Je suis allé brancher, je me suis mis. Rien. J'ai dit, maintenant j'ai dit ça. Ce sont les deux chansons qui sont venues de cette façon. J'ai dit tout ça. C'est l'amour de Dieu qui me contraint à ridicule. C'est l'amour de Dieu qui te contraint de à être ridicule. Ah, ok. Donc il suffisait. Dieu n'attendait que cette phrase-là. Ok. Que ça sorte de ta bouche pour déclencher l'inspiration. Dès que je dis ça. Amen. Amen. Voilà où j'écrivais ça. Non, tu vas te dire ça, c'est de la magie. Je n'ai pas réfléchi. Là, ça te vient avec la mélodie? Oui, la mélodie était déjà venue, j'avais la mélodie. Ok. J'ai commencé à écrire, point, dernier couplet. Je me suis mise à danser. J'ai dit, mais ça. Alléluia, amen. Amen, amen. Moi, Seigneur. Alors, je disais, j'ai glorifié le Seigneur. Ce n'est pas moi, mais quand je disais ça dans les émissions, à la télé, on me dit, non, tu es trop humble. Ce n'est pas l'humilité, je vous dis, non, ce n'est pas moi. C'est vrai. Monsieur Henriette, comment vous avez reçu Brise-moi et Aponinga, les deux chansons les plus... Aponinga, c'était d'abord, j'avais reçu une inspiration de la part de l'ennemi. Ok. Une belle mélodie, je ne sais pas si j'aurais une mélodie comme ça. Ok. Une belle mélodie, alors je savais déjà que c'est une chanson qui venait. J'ai murmuré cette mélodie-là, notre Dieu est amour. J'ai murmuré ça de temps en temps, et puis un jour, j'ai dit, ah Seigneur. Quand est-ce que tu vas m'inspirer cette chanson? J'ai déjà la main, les paroles, les textes. J'ai déjà la mélodie.
ça a beaucoup traîné. Et j'entends la petite voix qui me dit, rappelle-toi de comment tu avais reçu ça. Parce que souvent, ça vient avec une onction. Bien sûr. Je cherche. Je fouille. Rien. Je dis, pourquoi est-ce que c'est venu? Et puis la voix me dit, ça ne vient pas de moi. Ça vient du diable. Laisse ça. Je dis, Seigneur, une belle mélodie comme ça. Comment est-ce que je saurais me débarrasser de ça? Il dit, laisse. C'était difficile. Il m'arrivait d'oublier. J'ai fredonné ça encore et puis j'ai arrêté. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. J'ai lutté. Puis le Seigneur me dit, si tu laisses ça, je vais te donner une mélodie qui sera comme un mémorial. Je ne l'oublierai jamais. Cette chanson sera comme un mémorial. Alors maintenant, j'ai commencé à lutter avec l'autre fausse mélodie. Quand ça venait au nom de Jésus, je chasse. Ça vient au nom de Jésus, je chasse. Et un jour,